Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo dédiée à Marvel Tournoi des Champions. On se retrouve les amis comme d'habitude pour un nouvel opening. Cette fois-ci, il s'agit de ma série d'opening de Cristaux de Héros 4 étoiles. J'en suis à l'épisode 84 et j'en ouvre 5 à chaque fois. Donc on voit au moment où je fais cette vidéo, il y a de bonnes additions dans le tournoi, notamment du Symbiote Suprême, du Venom the Duck. Je ne serais pas contre les récupérer en 4 étoiles, même si comme je vous le dis à chaque fois, les 4 étoiles sont un peu passées de date, un peu la date de péremption est presque dépassée, sauf pour les God Tier hein, qui restent intéressants, même dans les épreuves, les dernières épreuves, les derniers événements spéciaux restent intéressants. Si vous les montez rang 5, les éveillez au max, pour la plupart, ils ont encore leur mot à dire, même si c'est quand même un petit peu plus compliqué que quand on a des champions 5 étoiles, évidemment. Donc là, pour le premier éveil, enfin le premier tirage de ces cristaux 4 étoiles, hey, j'éveille mon War Machine que je n'avais pas encore éveillé. Vider le chargeur, qui est pas mal quand on l'a en défense de garde alliance, qui fait que bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, quand il descend en dessous d'un certain niveau de vie, il prend un gros boost en termes de dégâts et d'armure renforcée. Et donc, bah, à ce moment-là, si vous le mettez sur une borne SP3 et que ça arrive au bon moment... Et je l'éveille, mais il était déjà au max. Je crois que Corvus, je l'avais déjà monté comme un gros cochon. Ah non, 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 très bon. Très bon éveil de Corvus Glaive, qui fait partie de ces champions qui restent énormes, comme vous le disiez, même en 4 étoiles rang 5. Et là, j'éveille Corvus Glaive. Ah! Et donc, pour en revenir à War Machine, quand vous le mettez sur une borne, alors je parle là pour les guerres d'alliance de petit niveau, vous le mettez sur une borne tout ou rien, et quand il arrive à rentrer dans cette phase où il vide le chargeur et que derrière il déclenche son SP3, il peut faire d'énormes dégâts, mais encore une fois, c'est pas un super défenseur et c'est loin d'être un bon attaquant. Mais en tout cas, sur le deuxième cristal, très bon tirage de Corvus Glaive, je ne suis plus qu'à 1 éveil de sa compétence spéciale au maximum. Archangel qui était déjà au max, donc ça m'a donné un cristal justement de compétence spéciale max 5 étoiles pour un Immortalian Grand Fist que je ne récupérerai pas, mais c'est pour le principe. Donc là, c'est pas trop mal aussi de le récupérer. Ça me donne également les éclats de cristaux hein, de héros 5 étoiles pour en ouvrir un peu plus tard. Et donc là, je récupère les amis. Attendez, je croyais que j'ai un signal en tâche de fond. Excusez-moi, mais je crois que j'ai une vidéo qui tourne en tâche de fond. Ah là là, désolé pour ce tirage les amis. Donc il y aura ça également sur le... Je crois que j'ai fait un tirage de cristaux 5 étoiles et il y avait une vidéo qui tournait en tâche de fond. Je me disais, je vois un signal sur mon écran. Pourquoi je vois ce signal? Eh bien parce que j'avais ma vidéo de live qui tournait en arrière-plan. Donc toutes mes excuses pour ce bruit en tâche de fond. Vous aurez à la fois le bruit de la télé et le bruit d'une vidéo en tâche de fond qui était celle d'Anthem, mon live sur Anthem. Ça ne m'intéresse pas, donc du coup je n'ai pas vu qui j'avais récupéré. Je ferai le point à la fin, les amis. Encore toutes mes excuses pour ce petit désagrément. Je suis désolé. Donc ça le fera également, parce que je crois que dans la même série d'ouverture de cristaux, j'avais fait une ouverture de cristaux de héros 5 étoiles. Et donc il va y avoir aussi ce brouillantage de fond. Et là je récupère Okai, qui est bien également quand il est éveillé, qui est très bon pour ce qui est de contrôler le pouvoir de l'adversaire. Et il monte au max. Et je l'éveille au max. Encore une très bonne série. Bah, petit à petit, ces ouvertures de cristaux de héros 4 étoiles font que mes champions 4 étoiles sont capés, sont maxés. Donc pour peu que je tombe sur un God Tier, comme vous le dis, il y a quand même toujours un intérêt à le monter rang 5 si vous n'avez pas l'équivalent en 5 étoiles évidemment, et en 6 étoiles si vous êtes très chanceux, ou si vous avez le fluide, la Grinta. Donc voilà, on récupère donc les amis War Machine, donc Corvus Glaive, Howard the Duck, c'était ça celui que j'avais raté, c'est pas une grosse perte de l'avoir raté, Archangel qui était déjà au max de sa compétence spéciale, et Okai qui est au max maintenant de sa compétence spéciale, et en plus 1375 éclats de cristaux de héros 5 étoiles, donc ça c'est toujours bon à prendre. Je vais juste aller voir quand même pour Corvus Glaive ce que ça monte au niveau de ses stats, parce que lui il est vraiment monstrueux. Pas forcément besoin d'être éveillé, mais encore plus redoutable quand il l'est. Alors, où es-tu mon petit Corvus Glaive? C'est vrai que je l'ai monté déjà au rang 5. Donc là, sa compétence spéciale Glaive d'immortalité, ça fait que maintenant... je recharge un peu plus vite à hauteur de 32,16% quand j'ai cramé toutes mes charges de glaive en moins de 30 secondes. Ouais, c'est vrai que c'est pas le truc le plus énorme pour Corvus Glaive, c'est surtout pour son indice de puissance que c'est intéressant, mais ceci dit, si j'arrive à cramer très vite ces charges de glaive, elles se rechargeront un petit peu plus rapidement. Mais écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez récupéré sur ces tirages, donc ces cristaux
de héros 4 étoiles. C'était mon épisode 84 qui se solde encore par la récupération, l'éveil de bons champions. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter la vidéo, à mettre le petit pouce, c'est vous qui choisissez le rating, à partager la vidéo, partager l'amour de cette vidéo avec vos camarades, avocateurs, avec vos amis, avec le monde entier, à vous abonner à ma chaîne. Je vous rappelle, à la fin de mes vidéos, je mets les petites annotations, vous pouvez récupérer tantôt des dernières vidéos que j'ai publiées, ou alors un abonnement directement en cliquant sur mon logo de chaîne. C'était Juge Fred sur Marvel Tournoi des Champions. Je vous souhaite de très belles openings, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à bientôt. Peace.